On caractérise le son émis par un instrument de musique par sa hauteur, son timbre, mais aussi sa durée et son intensité. La gamme musicale est une suite de notes caractérisées par leur hauteur. La hauteur d'un son est une des caractéristiques d'un son musical. La hauteur correspond à la fréquence de la note jouée. En musique, on désigne la hauteur par une note située dans une gamme. Voici par exemple les notes de la gamme 1 et leur fréquence. Le Do 1 a une fréquence de 132 Hz, le Ré de la même gamme 148,5 Hz, jusqu'au Do de la gamme numéro 2. Écoutons la gamme 3 jouée au piano. Plus un son est aigu et plus sa fréquence est élevée. Plus un son est grave et plus sa fréquence est faible. La tessiture correspond à l'étendue des sons qu'une voix ou un instrument peut produire. Voici par exemple la tessiture des quatre principales voix en classique, depuis la contrebasse, qui peut chanter dans les fréquences allant de 130 Hz à 400 Hz environ. Ensuite la basse, l'alto ténor et la soprane, qui eux chantent dans des fréquences beaucoup plus élevées. Le domaine des fréquences des instruments de musique est lui aussi très vaste. Voici un tableau qui reprend les principales familles d'instruments de musique, des cordes frottées, des bois, des cuivres, ainsi que leur tessiture par rapport à la gamme du piano que l'on voit en dessous avec les différentes fréquences. Voici ce qu'il faut retenir. Un son musical est caractérisé par sa hauteur, son timbre, mais aussi sa durée et son intensité. La hauteur d'un son correspond à sa fréquence exprimée en Hertz et s'appelle la note. Plus un son est aigu et plus la fréquence est élevée. Plus un son est grave et plus la fréquence est faible. Chaque instrument de musique ou voix est caractérisé par sa tessiture, c'est-à-dire l'intervalle de fréquence qu'il peut émettre.